T'es sûr, t'en as? C'est drôle, hein? Ouais, ouais. On disait qu'on... On disait que j'ai plus rien à dire, d'un coup. Non, c'est vrai. Tu niaises pas, Pierre. Là, c'est en... Ce que je vois, c'est en direct. Il y a du monde à la maison qui écoute, là. Hein? Regarde-moi le gros s'approcher. Moi, j'haïs ça. Hein? Déjà que je me trouve affreux et gros, là. Recule. Yeah. Yeah. Ah, j'ai dit ça. C'est vrai, c'est... Bravo. Non, pas elle. Pas elle. Hey! Attends. On peut-tu être sexy pareil? Oui. Ben oui, ce serait pas juste qu'il y ait que les pétards soient sexy. Un petit rondinet de 400 livres peut très bien être sexy. Moi, je réalise pas pantoute qu'on est en TV. C'est ça le problème. Je réalise pas du tout. On dirait que c'est un circuit fermé. Il y en a 4-5 qui écoutent ça dans la bâtisse à quelque part. Il y a juste les couleurs. Ça marche plus, ça marche pas. Et moi, dans ça, je me rends. Ça fait que... Hey, si le monde se disait, ouais, il va y avoir quelque chose d'écœurant, tout va être placé. Et non! Ah! Il n'y a rien de placé. Hey, mais c'est écœurant pareil, hein? C'est une jouissance pareille. Je peux faire ce que je veux. Je peux rien faire si je veux 10 minutes de temps. Le monde ne changera pas de poste. Mais non, hey. 10 minutes, tu vas se péter à la gueule, tout le monde veut voir ça, c'est sûr. Ah, c'est vrai, on est pareil, hein? On est tous pareils. Quelqu'un qui plante, on fera pas. Ah! Hein! Hi! Qui a planté! As-tu le coude à l'envers, c'est que tu dînes? C'est toujours le fun à voir, c'est vrai, hein? Non, c'est sûr que c'est un peu. Hey, c'est la première fois que je vois de la TV, moi. Ah, non, on va y aller tranquillement, là. Ah, tu commenceras pas. Ça va être un gossage qui va m'énerver puis qui va me mettre en toute la longue de la rue. Ça, comment je vais faire le deal avec ça, moi? Hey, ça sera pas facile. Tu es à la maison qui se demande souvent, j'ai plein d'amis qui me demandent comment ça se fait la TV, comment ça se passe la TV. Moi, je ne sais pas vraiment plus. J'ai même fait des émissions, une entrevue 2 minutes, une entrevue 3 minutes. Mais 3 minutes, 2 minutes, ça va bien, c'est l'autre qui deal la TV. C'est l'animateur, quand je suis allé avec Sonia, ou avec Jean-Pierre, ou avec Grégory, c'est lui qui deal, qui sait qu'à tel... Là, c'est moi qui suis supposé dealer avec ça. Tu as dit que les cadres, vous allez voir, ça rebondir d'un bar, ça retourne en disant, tu vois, j'ai de la misère. Puis je bégaye en plus, savez-vous ça? Ça, c'est affreux. Pig être gros, ça, bégayer. Les deux font un bon petit match aussi. Ah, c'est vrai, quand j'étais jeune, moi, là, j'étais pas capable de parler. À 11-12 ans, j'étais... Tu sais, à l'école, quand t'as un exposé oral, là... Jean-Marc, ton oral, c'est les oiseaux. C'est-tu fatigant? Puis moi, il y en a sûrement... Il y en a-tu qui ont de la misère qui bégayent ou à la maison? Il y a sûrement des bègues à la maison qui nous écoutent puis qui disent... Puis là, le pire pour les bègues à la maison qui m'entendent, là, ça se peut que je bafouille encore. J'ai de la misère. Des fois, je vais aller trop vite, puis c'est quelqu'un qui finit tes mots à ta place. Ah, oh, ça, là. Moi, quand j'arrivais, je dis, on s'en va en... Là, le gars, t'écoute, il force avec toi, là. Là, il finit, on s'en va en bateau, ta gueule! On s'en va en bureau. Non, mais c'est vrai que c'est insultant, c'est frustrant, c'est... Ah, c'est en... T'es arrivé au McDo à commander l'auto, là, on va prendre un... Puis c'est déjà énervant, parler là-dedans. C'est niaiseux, hein? T'es tout seul dans ton char, t'es gêné. C'est vrai, t'es gêné. Est-ce qu'on peut vous aider? Je vais prendre un... Je vais prendre un... Ah, on n'entend pas bien, attends! Je vais prendre un... Je vais prendre un... Big Mac, t'arrives à la caisse, il y en a 12, hey! Ah, mais c'est vrai que c'est fatigant.
Qu'est-ce qu'il y a, là? Là, les pauses, on va faire un deal bien vite, là. Moi, c'est la première émission. Guy Cloutier me dit qu'il payait tout, qu'il s'arrangeait avec tout. Vous vous arrangerez avec lui. Moi, les pauses, là, j'aurais bien de la misère à dealer avec ça. Y a-tu moyen de brasser ça, une pause comme ça, d'en enlever une, plus de pause? Pas vraiment, hein? On peut pas jouer avec ça. Ça coûte cher. Moi, payer les pauses, moi, combien ça coûte? Tu sais, t'empruntes 9 ans, payer une pause. T'annonces Toyota, toi, tout seul. Ils vont très bien. Ah, ça va bien, je t'annonce GM. Juste moi, là, je paye ça. Non, je pense que... Dans combien de temps? Je te demande pas de présenter. Là, c'est moi qui décide, OK? Là, il y a une chose que tu vas apprendre tout de suite. C'est moi qui décide. Je te demande combien de temps avant la pause obligatoire? Je voudrais aller présenter le band, Jean-Marc. Mais normalement, c'est quand? Combien de temps? Ça m'intéresse. Combien de temps, Roxane, pour la pause? Oh, de toute façon, je remets ce que je voudrais. On dépasse déjà d'une minute et demie. Oui. Donc, on a déjà un peu le contrôle, si je comprends bien. Hein? Yeah! OK! C'est le fun! Yeah! Ah, ça, c'est le fun! Ça, c'est agréable, quand même. Ça veut dire que déjà là, il y a du monde en régie, là, qui... Il y a une pause! Ça veut dire qu'en ce moment, je fais paniquer plein de monde. Ça veut dire que j'ai plein de temps à perdre. Ah, je le sais, ils vont gueuler pour le vrai. Cloutier doit après s'arracher les cheveux de sa tête avec la gang de TQS. Le boss de TQS doit regarder Cloutier. Tu savais-tu qu'il était dans les yeux de même? Tu savais-tu? Je t'avais-tu pour l'engager, faire des niaiseries? Fais pas de niaiseries, je prends mon temps. Moi, je veux pas mettre de stress. T'es nerveux, faire de la TV. Bon, je vais aller voir mes amis. On doit bien être 2 minutes en retard. Hey, Reg. Non, je niaise. Je vais y aller à la pause. Je vais me conformer au bout de 20 émissions, m'en comprendre. Ou vous allez comprendre. Plus ça, je pense. Comme je parlais de mes chums tantôt, Reg. Ah non, je parlais de ça à la radio. Ceux qui sont à la télévision, c'est vrai, on n'a pas parlé. Reggie, c'est mon frère. Puis avant, c'était une fille. Il m'écoutait. Non. Non, c'est parce que ce qu'on a commencé à se jaser ici avant que la télévision arrive, c'est que j'ai pris toutes des chums pour faire un band. C'est toutes des chums qui n'ont jamais fait de télévision, comme moi, qui ont fait de la scène, hein, puis il y en a qui sont venus au forum avec nous autres. Puis moi, ils me font triper, qu'est-ce que tu veux. Si Reggie, c'est une fille, je serais à genoux devant la guitare. J'aime ça. Puis je leur ai demandé un thème pour l'émission. Ils ont fait un thème pour l'émission. Là, j'aurais pensé à quelque chose genre Charles Aznavour, Jean Ferrat. Ou... Mais c'est vrai que j'adore ça. Moi, j'adore Charles Aznavour, même si j'aime bien le rock'n'roll. J'aime ça. Je chanterai pas là. Puis après ça, j'ai dit, on pourrait peut-être faire ça un petit peu plus corsé. Mais dis, le thème que tu as fait dans le cage chez nous, je veux l'entendre, mais comme faut. Ça, c'est le thème d'émission. On le présente un peu tard, pas grave. C'est moi qui décide. Fait que, là, parle-moi ça.
Hey, vraiment, vraiment. On a l'air d'une belle gang. Ça a vraiment l'air d'un party. Si le monde était ici, le monde à la maison, là, on a de la misère à se rappeler que vous êtes là. Faut se concentrer. Il y a du monde à la maison qui écoute puis qui se disent, qu'est-ce qu'ils font? On voit bien qu'il n'est pas préparé. On a cué, par exemple, on a écrit quelque chose pendant la pause, on a dit, venez maquiller en revenant, ça va faire de quoi de prévu. C'est parce qu'ils sont venus à la pause, j'ai dit, profitez-en après. Ça fait drôle, ça dit, mais, hey, ça fait drôle, hein, faut de la TV, vraiment. Il y a plein de monde qui me demandait, ouais, mais c'est pas vrai, t'es préparé pour le vrai. Après toi. Ceux qui me disaient ça, qui sont assis devant le TV en ce moment, ils disent, non, mais, il avait raison. Il est pas prêt, pas en tout. Même pas un peu prêt. C'est pas prêt, ça. Ça, c'est vraiment pas prêt. Comme là, je pourrais très bien parler de... Je pourrais très bien dire, voyons, qu'est-ce que je dirais? Ça me fait drôle de penser qu'en ce moment, il y a plein de monde à TV qui m'écoute dire, voyons, qu'est-ce que je dirais? Moi, regardant la TV, en tout cas, je le regarderais, je dis, voyons donc, il va se planter. Monte le son, monte le son. Je peux pas faire ça. Mais c'est le fun. Je vous avoue que je commence à aimer ça. J'avais au début, là, quand on a répété hier, on répète des blocs un en arrière de l'autre. J'aimerais pas ça faire de la TV, moi. Le fatigant que ces minutes. Mais j'avais pas réalisé que ce fatigant-là peut être jouissant, si tu y penses un peu, là. D'ailleurs, oui, c'est ça. On te voit pas, t'en prends... Hey, come on, on vient de revenir. Ben voyons, non mais... Non, ça c'est... Ben oui, mais ça... C'est sûr, Pierre, je serais jamais capable. Ça c'est sûr, je ne dirais pas avec ça tout le temps. Une pause, une... Oh, mais on peut-tu? En tout cas, on en fait... De toute façon, vous ne pouvez pas m'enlever. Le monde à la maison vont appeler, même si ça ne les intéresse pas ce que je dis. C'est très frustrant de se faire couper en plein milieu de rien. Quand je raconte rien, finalement, là. Non, mais c'est vrai. Une pub, on peut tasser la pub. Ça se fait. Je dis pas de l'enlever. Ben, ça, je dis. Je dis pas de l'enlever, je dis de la mettre une autre semaine. La mettre une autre fois. Dans une autre émission. Ou tape-toi là, puis regardez si t'aimes ça tant que ça, des pubs. Non, je le sais, je comprends. Je fais le cave, je le sais que c'est ça qui paye l'émission. C'est ça qui paye... On le sait tout. Ça nous fait chier. Pareil. Pas le droit de dire chier. Ça nous tanne. Tanne. Ah, oh, ça nous trouble pareil. En tout cas, on n'aime pas ça. Bon, c'est ça. Mais là, on l'enlève-tu? On peut-tu la tasser? On peut la tasser. On déplace. Je peux continuer, là. Yeah! On déplace la publicité. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. C'est le fun, hein? Sentir que tu décides quelque chose. On a toute une gang à régie, puis c'est moi qui décide. Pas de pub. C'est pas content? La porte est là. Tu vois, Guy Cloutier arrivé. La mère parrain, il fait des choses qui se fait pas. Il aura jamais bien si bien dit, hein? Hey, mon Dieu, il doit me regarder, non? C'est pas grave. Hey, on parlait de Noël tantôt, justement avant que la TV arrive. Avez-vous passé de belles fêtes à la maison? Avez-vous eu des beaux cadeaux à la maison puis ici? Oui, vous avez passé de belles fêtes? Non. Hey, avez-vous eu des cadeaux plates? As-tu eu des cadeaux plates à recevoir que tu sais pas quoi dire? Non? Y'a-t-il quelqu'un qui a eu un cadeau, là? Honnêtement, là, dis-moi là, même si c'est gênant, y'a personne qui le sait, là. Une ânerie, là. Comme moi, j'ai reçu 4 paires de bas. Yeah! Non, mais comment tu veux? T'as reçu 4 paires de bas, tu fais quoi? Tu peux pas dire oh, hey, j'en avais pas. Non. Tu peux pas dire que t'es content, t'as l'air hypocrite. Voir si tu t'attends en donnant des bas que l'autre soit vraiment content. S'il est vraiment content, là, c'est parce que ça fait longtemps qu'il y a de la misère dans la vie. Parce qu'il n'y a pas de bas, là. Non, mais y a-t-il quelqu'un qui a reçu un cadeau là, qui serait drôle, là, non? C'est un cadeau horrible. Deux quoi? T'as reçu quoi? Deux bas de... Là, c'est parce que c'est toi qui mettais tous les deux dans le même pied. C'est pas ça, on dit. Il y a un technicien ici, il a reçu des crayons. À mine. C'est ça, une boîte de crayons à mine. Ah, t'es coeurant, où t'as trouvé ça? Ah, c'est vrai. Puis moi, cette année, à Noël, j'ai reçu. Puis tout le monde dans ma famille, Jean-Marc, c'est
l'inconscient, le délinquant, le tout croche. Le... Je peux pas recevoir. Moi, dans la tête de ma famille, Jean-Marc, il reçoit pas, voyons donc. Il fait des niaiseries. Il va encore faire des conneries, il va encore faire des niaiseries. Mais j'ai reçu. Je me suis acheté une maison. Ça fait drôle, j'ai 33 ans, puis je réalise que j'ai une maison. Je pense toujours que c'est... je suis parti. Tu sais, non, c'est une maison, je reçois du monde. Puis avez-vous remarqué, je ne sais pas si c'est pareil pour vous autres, avez-vous remarqué, moi j'ai 33 ans, mais même à 33 ans, tu sais, quand la visite arrive, là, la dinde est prête, tout ça, elles sont brûlées, tout ça, oui. Ça sent bon, là. Ben moi, je suis tout fait préparer, mais c'est pas grave, ça sent bon pareil. Bon, si tu m'as fait cuire une dinde, me tromperais. Non, mais tu sais, tout. Puis tu sais, quand la visite arrive, tu regardes par la fenêtre du salon, tu es excité, hein. Comme je te dis, même à mon âge, même les jeunes, n'importe quel âge. Puis la première affaire qu'on regarde quand les matantes arrivent, toi, même affaire, oui! C'est grave, on fait ça à mon âge, je me surprenais. À 33 ans, checker dans vite, je dis, où est-ce qu'il y a le sac de cadeaux? Là, mes tantes arrivent avec un petit sac. Ils rentrent dans la maison, est-ce que je mets ça? Dans la poubelle. As-tu vu le sac? Voyons donc, un sac de cadeaux, toi. C'est vrai, hein? Mais c'est bizarre qu'on soit comme ça. À l'âge qu'on a, où il y en a deux de mes tantes sont arrivées, il y avait une boîte grosse de même. Puis ça, il me le donne. Il dit, c'est de nous deux. Vous êtes mis deux pour acheter ça. Dis, mon sapin, il n'est pas au même. J'ai un sapin, tu peux mettre des boîtes en dessous. Puis tu n'oses pas le dire. Hey, Crimane, à notre âge, tu veux toujours, ah, les cadeaux, on s'en fait pas. Pas important. Très important. Non, c'est vrai qu'on est niaiseux de même, on a de la misère. Puis je fais toujours des jokes plates, moi. Puis, vu que moi, je reçois... Moi, mes parents sont morts, ça fait une bonne couple d'années. Ma mère, 6 ans, mon père, 14 ans. Puis j'ai toujours fait des jokes semi-plates. Tu sais, dans le sens, je me rappelle quand je rencontrais mes premières blondes à 14-15 ans. Tu sais, là, ta blonde, elle t'amène chez tes parents. Viens, je vais te présenter mon père, ma mère, je vais savoir qui te voit. Là, tu y vas. Elle dit, tu vas me présenter tes parents quand? Ils sont morts. Là, la face qu'elle faisait... Oh... Ah, oh, je savais pas, excuse-moi. Excuse-toi pas, moi, qui les ai tués. C'était épouvantable. Mais moi, le pire, c'est que moi, je trouvais ça drôle. Innocent, tu sais, à 15 ans, tu vis dans ce qu'elle a fait. T'sais, niaiseux, qu'est-ce que je te donne? Bon, j'ai pas changé beaucoup, mais quand même. Ben, pour la preuve que j'ai pas changé, au souper de Noël, j'étais avec mes tantes toutes, on était à l'entour de la table. Il faut toujours que je sorte une ânerie. Il y a mes sœurs qui rient de la même chose que moi, fait que ça, c'est pas pire. On a le même humour. Quand je vois ma sœur plier en deux, la main des patates, c'est parce qu'elle rit en même temps que moi, tu sais. Là, mes tantes, là, ils mangent, tout le monde mange, les petites affaires, mais j'étais toute fière, hein, mais tout le monde trouvait ça bon, puis oh, petite salade. Puis à un moment donné, je dis, ouais, pas une nouvelle de papa. Un froid à l'entour de la table. T'entends tous les ustensiles. Là, ma sœur a des patates crampées, là, je dis, yeah, 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 c'est bon. Là, ma tante, elle me regarde. Ben, voyons, Jean-Marc. C'est très bien que ton père est décédé. Un. T'as pas le temps que tu me le dises. Ça fait 17 ans que j'attends qu'il revienne. Ah, mais là, on dit qu'il faut que je niaise. Ah, mais tu restes à être bête. On sait jamais. Il peut quand même arriver. Sa place est là. Place est prête. Arriver. Vois-tu arriver en squelette à la maison? Ça serait drôle, ton père arrive, ding dong, mais non, qui sait que ça peut bien être, tout le monde est là, ma tante. Ah, il reste pas de moment. Avec la petite sacoche sur le bras. Eux autres ont des cadeaux, un gros sac de cadeaux. Tu regardes ton père, t'as un peu de peau dans la face. Là, 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 là. Petite sacoche ici, là. Il s'assoit, c'est la chaise, tombe à terre. Cac, 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 cac. Hey, c'est niaiseux, on n'est pas encore en onde, là. Il y a une pub, encore. J'ai dans ton CN, tu vas voir tout, je l'étasse. Il y a une pub. Il est déjà 8h23. Ah, oh, non, non, j'en veux pas de pub. Tu me la demandes-tu ou je suis obligé? Je suis obligé. Non, on est parti. Non, gars, oh, gars. On est encore en onde. Moi, j'en veux pas. Fait qu'allez-y si vous voulez. Moi, je vais continuer à parler. On avait du fun. C'est plate à maison. Je vais continuer à compter ça.
Non, c'est vrai, on disait ça. Assez plate, les pauses. Hein? Il me semble que je perds tout mon monde à la maison, là, je ramène tout. Pendant la pause, je disais que j'avais l'air d'un morse, mon chum d'une dinde. Bon, c'est ça, je disais. Puis on s'imaginait arriver au spectacle, on arrivait au forum tous les deux. Tu sais, tu vois le chat se parker devant de la porte, il y a une porte qui rouvre, t'en vois un qui. L'autre qui débarque de tout, ses petites pattes. Mais c'est ça qu'on se disait pendant la pause. Moi, je pourrais pas toujours ramener. J'aime pas ça perdre le monde à la maison pour les ramener. On est en direct, hein, c'est vrai, faut le dire. On est en direct avec Radio Énergie à grandeur de la province. Ça, je trouve ça trippant. Ça, je trouve ça le fun. Parce qu'il y a plein de monde en tournée qu'on a fait, mais combien de fois on a fait toute l'Abitibi, toute la Côte-Nord, Sept-Îles, entre autres, qu'on est allé puis qui vendait les billets. On a trippé à Sept-Îles, partout, Sherbrooke, Victoriaville. Tout le monde est là. Tout le monde peut nous écouter à Radio Énergie. Mettez-en du jus, mettez-en du volume. Parce que quand on a des tunes, ben là, pas là. Là, c'est plate m'entendre crier plus fort que la TV, là. Mais normal. Hey, en parlant de tunes, Reg, là, par exemple, j'ai besoin de votre participation. Ricky D. Ricky D. Ne me demande pas ce que j'ai eu pour Noël. Demande-moi seulement, es-tu prêt? Qu'est-ce que t'as eu à Noël? Les hémorroïdes, la touriste. C'est correct. Ça va? C'est correct. Ricky D. Hey, j'oubliais, j'ai eu des... Non. Écoute-moi, j'ai eu des couches, je suis Gatpou. Rick... T'es pas nerveux, moi je me peux plus, là, je change ma couche, mon vieux, là, ça fait depuis 8 ans, là, je capote, là. Mais qui dit que, hey, moi je me force, là, OK? Non, c'est très capable. Important, la télévision, je veux pas parler mal, je veux pas parler, parce qu'à TV, c'est trop pris crûment, c'est pas dans un ensemble. Puis moi, je me dis, je me force, je parlerai pas de sexualité, je parlerai pas de ça, première fois que je lui demande, une vaginée des hémorroïdes. Parle-en encore, je te mets de la crème, ta gueule, parle pas de ça. Un show qui sort de hey, là, c'est le temps, Ricky. Oui, oui, place ton monde à la radio. C'est ton show. Je veux que le monde à la maison monte la radio. Un petit bout, juste un petit bout. Faut retourner une pause commerciale, viens ici parce qu'on a perdu du temps. Parle-tu connard, toi? Hey, je vais avoir de la misère avec ça, sérieusement. Ça n'a pas d'allure. Finalement, on a quoi? 40 minutes de temps? 40 minutes. Hey, bravo, ça vaut à peine de mettre tant d'argent. 40 minutes. Comment? Une éternité. Une éternité. Hey, mon Dieu. Mais, OK, ben je veux. C'est KMF, là, rentrer ça, là, dans le tapis à maison. Même ceux qui ont des petits radio-réveils en haut du frigidaire. Moi, j'ai une petite grand-maman qui a un petit radio-réveil. Ça sort mal, c'est pas grave. Pète-le, mon passé chez vous, t'en mettrais un autre. Monte-le! Hey, Reg, pars-moi une toune écœurante. Là, je pense à mes petites matantes, tout ça, ma petite Rolande. Je sais que c'était un peu rock'n'roll, mais on pensera... C'est AC/DC, connais-tu ça? Mais j'aime ça quand le monde lève. Faut que ça lève ici, faut que ça lève à la maison, ça a l'air niaiseux. J'aimerais ça qu'à la maison, quelqu'un se lève debout de mon pyjama. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être mon fun, c'est vrai, c'est vrai, on est tellement habitués. À la maison, on se dit, oh non, à la maison, on peut pas faire ça. Ben oui, on peut faire ça à la maison aussi. Hey, Reg! Pars-moi ça dans le tapis, il faut que ça crie ici. À maison aussi. Ah, pour la fin, une petite 2 minutes, ça va conduire les fesses. Yeah! Ah, come on! Yeah! Plus fort, plus fort! Wouhou! Ah, ça, c'est dégueulasse quand ça sort bordonné.
passe par Sylvain Sandman, il a failli en manger direct ici, la bouteille. Tu fais penser quand on fait de la trip, il était en bateau, hein? Tu sais, comme dans la trip en arrière, puis là, tu débarques de la trip, puis tu tombes de même. On dirait que l'eau se met en pointu, hein? Pas pourquoi ça te sort à Ricite, là. Là, ton chum arrive en bateau à côté, de quelque chose. T'as plus de costume, tu veux pas sortir de l'eau. Va te promener, m'en sortir. Pourquoi je parle de ça? Ah ouais, c'est à cause de l'eau, elle m'a sorti par le nez. Mon Dieu, Seigneur. Hey, pendant la pause commerciale, il y a une madame qui est. Comment? Ça va faire. C'est moi qui décide. Oh. Non, mais j'essaie de revenir. Encore une fois, on perd notre monde à la maison. Je veux pas y perdre. Puis ils savent pas ce qui se passe. On a autant de fun entre les pauses que pendant, hein, mettons. Puis entre les pauses, je peux dire ce que je veux. Puis la petite madame est au forum le 31 décembre pour notre jour de l'an. Puis on a fêté. Elle était avec une petite brochette, hein? Moi, j'appelle ça une petite brochette. Ça partait de 60 à 80 à peu près, hein? Elle était toute une à côté de l'autre avec un petit bâton qui passait ici. C'était une belle petite brochette. Puis la petite Rolande, elle n'avait dedans. Puis elle m'en était debout de même au forum. Tout le monde regardait. Yeah! Elle avait une petite G-string, là. Ouais! Ouais! Hey, Rolande, viens ici, viens ici. Viens ici. Viens ici. Oh, t'es pas monté. Viens ici, viens ici. Oh, qu'on est mal préparé, hein? Oh, pardon. Oui. Tu te rappelles-tu, Roland? Oui. Ça fait drôle parce qu'on se connaît pas, mais on se connaît, on s'est vu dimanche. Comment c'est ça que t'es là? T'es revenu ici? Oui. Je l'ai su pendant la pause. C'est toi qui as dit, hey, c'est madame qui est là. Ah oui. On a dansé un saut au forum, ça va-tu? Oui. T'as aimé ça? Oui. Tu te rappelles-tu qu'est-ce que t'avais fait au forum? Mets-toi là-bas. Fais comme t'as fait au forum. Elle m'appelle Jean-Marc. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait deux fois qu'on se voit. Tu sais, quand t'essayais de t'approcher de moi, « Hey, Reggie, prends-moi une belle toune smooth. Yeah, viens-t'en, viens-t'en. » Ce petit bout-là, là, regarde. Je suis un chanteur populaire. Je sois un dieu. Hey, Roland, ça a l'air que ton ami est parti. C'est vrai? Il est mort le lendemain. Il est mort la nuit du jour de l'an. Ta fille qui nous a dit ça tantôt. Je sais pas quoi dire. Je veux te dire que moi je passe par dessus souvent. Il y a rien à dire. Il est mort du cœur. La nuit du jour de l'an quand t'es venu. Je peux pas rien dire, hein? Je peux juste te dire de. Oui. Très bien. Très cher pour moi. Merci, ma belle petite Rolande. Quand il y a des marches ici. Elle est fine, Rolande. Viens t'asseoir.
pour ceux qui se demandent souvent, tu sais, pour ceux qui se demandent souvent à la maison, ah oui, mais on l'avait-tu placé là? Ben non, c'est vrai qu'on l'a vu le 31. Puis sa fille m'a appelé parce que son mari est mort la nuit du... Son ami, ton chum, est mort après le show, après le party. Le 2 ouais. C'est parti là. Eh bien, c'est pour ça que tu es venu me voir. Qu'est-ce que je peux faire? Hey, tu verrais que sortir avec moi, tu serais fatigué. Mais je suis content pareil que tu sois venu. Mais c'est plus, tu vas entendre parler, parce qu'au forum, on était, ben, on était juste 8000, on était 8000. Là, on est, je sais pas combien, mais il y a une couple qui t'ont vu. D'après moi, quand tu rentres au dépanneur, on met condoléances. Tu vas avoir du pain gratuit, un paquet d'affaires gratuit. Braille un peu au comptoir. Ah, t'es pas sérieux. Une pub. Moi, mais j'ai pas le temps de rien raconter. Guy! Guy! Qu'est-ce que tu veux? J'aurais pas le temps de rien faire. On a 20 émissions de même. Fait que finalement, je vais préparer de quoi? En préparant de quoi m'arriver d'un temps? Parce que là... Oh, il est là. OK, pub. Sérieux? Oh, tabarouette! Hey, check-moi les beaux fax qu'on reçoit, c'est les fax Grand Nord, ça, nos beaux fax. Moi, j'aime ça des bébelles. J'ai trouvé cœur, hein, me semble, je me promènerai dedans, moi, en tout cas. Il y a même du monde, il dit, il n'y a pas juste la grandeur du Québec, il y a un Ontario français. Ben, bienvenue la gang, l'Ontarien français et les Ontariens français. Merci beaucoup, bienvenue. Il y en a qui n'en passent pas, lâche pas, scrap les pubs, on n'en a pas besoin. C'est pas vrai, on en a besoin. Elle n'a pas eu de cadeau original, elle aimerait ça avoir un collant de l'émission, la JMP. Michou, garde ça, elle a son numéro de téléphone, s'il en enverra une, quelques-uns, collant, une pile, t'in. Ben. Ouais, hey, ça va vite, ça n'a pas d'allure, 9 h moins quart, c'est ridicule, hein? Mais c'est pas grave, quand ça va finir à 9 h, c'est plate, la maison, ça va finir, mais pas nous autres. Nous autres, ça va continuer. Comme quand on était jeune, puis ça finissait plus, puis on jouait dans la cave. Hein? On était toute la gang dans la cave, là, nos parents descendaient. Ça faisait freaky parents. Hein? Descendant l'escalier, Jean-Marc, tu répondais pas. Là, il n'osait pas descendre, il n'y a pas de lumière. Oh, Jean-Marc, allume une lumière. T'avais 14-15 ans, t'es avec ta première blonde. Jean-Marc, puis il entendait. Là, on écoutait de la musique dans la cave, hein? On écoutait des tunes, c'était écœurant. Hein? Je me rappelle toutes les sortes de musique, mais moi, c'était Pink Floyd. Tout le monde le sait, c'est quasiment rendu un trademark. J'aime ça, j'aime ce genre de musique-là, j'aime les musiques plus smooth. Mais ça, de voir, on dirait que c'est entre les deux. Hein, Roland? Même les personnes plus âgées, il y a un vieux monsieur au forum, fait 4-5 fois qu'il vient et dit « Mets-moi la tune avec l'hélicoptère! » Lui, dans sa tête, c'est l'hélicoptère. Hey, mais là, c'est vrai, Ricky Lee... Là, c'est le temps. Là, à la maison, je suis sérieux, là. Je suis très sérieux. Je veux qu'on le fasse pour le vrai. On a le droit de se lever. Levez-vous dans la maison. Lâchez les chips, lâchez tout. Levez-vous debout. Allumez les lumières, OK? Flash les lumières dehors, puis les maisons vont se regarder de maison à l'autre. Ah, ça serait trippant, ouais, ça! C'est une bonne ça idée. Ça serait le fun. Au vrai! Mais on peut le faire. On peut le faire. Ledge, parle-moi de Wall tranquillement. Come on. Yeah! Hey, c'est vrai, hein? Je suis sérieux à maison. On peut le faire. Faites-le bien pour le trip. Allumez les lumières dehors. Il y a plein de monde qui vont regarder la maison. Tous ceux qui ont une lumière allumée, ça veut dire qu'ils écoutent leur GMP, ils écoutent The Wall à TQS et à Radio Énergie. Drette là. Ricky D, pompe le monde dans les autos qui mettent le flasher. Prêt, tout le monde qui met le hasard, c'est parce qu'ils écoutent The Wall en ce moment. Sur la 117, dans le coin de Saint-Benoît-la-Corne, on stationne la voiture sur l'accotement et on grimpe le volume au maximum. Exactement, on se tasse dans l'accotement. Même la police, tassez-vous. Puis nous autres ici, on arrache le plafond, yeah! Woo!
maison, c'est le temps. On dirait que c'est un orgasme, hein? À grandeur du Québec, puis de l'Ontario, puis du Nouveau-Brunswick, partout. Ça monte tranquillement ici, hein. C'est comme les préliminaires, les premières caresses. Yeah. Non, mais avouez que c'est le fun pareil. Oubliez l'âge que vous avez, oubliez ce que vous faites demain matin. Pense pas à l'école, pense pas à job. Là. Montez votre système de son à radio-énergie dans le tapis. Montez à TV. Fermez les lumières dans le salon, mettez un peu d'atmosphère. Flashez les lumières dehors. Il y a plein de rues en ce moment, je suis sûr qu'il y en a qui ont le goût de le faire. Y a du monde qui doit se regarder d'une rue à l'autre. Yeah, on écoute dans wall. Et ça rappelle la jeunesse. C'était en anglais qu'on dirait qu'on comprenait tout, hein? On comprenait rien, mais c'était universel. C'est rien que le beat. Ouais! Ça s'en vient, là, hein? On sent ça monter ici, hein? C'est le fun, hein? C'est vraiment un orgasme à grandeur. Ça monte, ça monte, ça monte. Quand l'hélicoptère arrive, ça va être l'apogée. Aïe, au petit monsieur, pour toi, le petit monsieur qui est venu 8-9 fois au forum, qui veut l'hélicoptère, je suis sûr que t'écoutes. Elle s'en vient juste pour toi. Élevez vos systèmes de son pour que ça cogne partout, dans les autos, dans les maisons. À cette heure-là, il y a plein de monde qui travaille dans les Dunkin' Donuts, dans les garages, n'importe où. Faut le monter, faut le monter. Faut qu'on vive la même chose en même temps. Là, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Nous autres, ici, on est prêts, faut que ça tape dans le tapis. Là! C'est moi qui ai l'hélicoptère. Attends un peu, attends un peu, attends un peu. Et ici, ici. All right. Attention, mon petit monsieur, l'hélicoptère arrive. Lâchez pas la maison, lâchez pas. Laissez-vous aller, pensez à rien. Come on, come on. Tout le monde est prêt à la maison. Tenez-vous bien, ça commence. Attention, allez, laisse ta ligne aller. Come on. Yeah.
Hey! À Reggie, c'est écœurant. Hein? Je suis sûr qu'on va rejouer ça juste quand ça va finir à 9h. Hey, on se pète Pink Floyd à 9h01? On peut bien. La TV va être partie, on recommence. Mais c'est plate. Va falloir qu'on mette un décodeur, qu'on peut rester sur 4 saisons, même quand c'est fini. Parce que je sais que là, on va continuer à avoir du fun, peut-être, un peu. Hey, mon Dieu, on a parlé de Noël. Je voulais vous parler de Noël plus que ça, mais finalement, on est parti dans le Pink Floyd, puis dans le brassage, dans ma tante Roland, qui a perdu son chum. C'est peut-être pareil. Mais c'est pareil, c'est un deuil. C'est pareil comme quand tu te fais le... J'ai vu que Noël atroce, moi, justement. Tu sais, quand ta blonde te laisse le 20, avant le 25, t'as acheté son cadeau, t'as hâte. Oui, c'est ça, coudonc, tu viens même faire que moi, toi. T'as hâte au bout de te donner, hein. Ah, elle va être contente, elle va être contente. Elle t'appelle Pat Floche. Puis l'autre, ton nouveau chum, il en a acheté un bien plus gros. Moi, c'est bien, plus d'argent, plus beau, plus fin. Ah, puis là, le Noël est atroce, hein. Tu sais, quand t'es tout seul, là, dans le salon, t'écoutes la messe de minuit à TV. Ah, avez-vous déjà fait ça tout seul? Tu fais un petit grill cheese. C'est ça. Ça, c'est affreux. Hein, que c'est pesant. T'as un petit grill cheese. Là, tu t'en vas chercher dans le frigidaire, tu vas mettre des pickles, ça va être le fun. Tu cherches le pot de pickles. Et partir avec, là. Tout seul avec ton fromage.